Après être passé par Paris, Nantes et Nice, Shen Yun a achevé sa tournée française 2018 à Aix-en-Provence, après 14 représentations dont beaucoup se sont faites à guichet fermé. C'est une expérience experience, really. I mean, I'd heard about it in London, but I couldn't get any tickets for London, so I had to come to France. It's absolutely spectacular. Ça fait des années que je voulais voir ce spectacle-là. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu, ce spectacle. Je voulais vraiment venir ici. Je suis contente d'avoir trouvé des places. Être témoin de ce qui nous habite de plus beau et de plus noble et de plus transcendantal, finalement. On a l'impression que tous les soucis s'envolent. On a l'impression d'être quelqu'un de bon. C'est magique. C'est magique. Depuis sa création en 2006, Shen Yun, spectacle dont le but est de faire revivre et partager la culture chinoise authentique par la danse et la musique classique chinoise, se distingue par son haut niveau artistique et technique. J'étais contente de retrouver ces traditions chinoises à travers un spectacle que j'ai trouvé absolument magnifique, où on a un grand respect du spectateur, tant pour les costumes que pour les décors. Je suis époustouflée, époustouflée par la qualité artistique, par la plénitude que l'on ressent à travers ce spectacle. Des moments comme celui-là nous permettent justement de nous régénérer et de nous sentir bien mieux et beaucoup plus fort. Ils ont une énergie, vos danseurs, considérable, extraordinaire qualité. Le spectacle est empreint de spiritualité et c'est un bonheur actuellement parce que nous en avons besoin. Shen Yun dispose aussi d'un orchestre unique au monde qui allie la singulière beauté et l'expressivité de la musique chinoise à la précision et la puissance d'un orchestre occidental. J'ai été, comme on dit, scotché par la qualité de l'orchestre et de la synchronisation. La qualité de l'orchestre, vraiment impressionnante. C'est un ensemble tout à fait digne, vraiment, des plus belles choses que j'aurais peut-être jamais vues. Les musiciens sont top niveau et c'était un plaisir d'écouter ça, vraiment. L'instrument à deux cordes particulièrement, j'ai trouvé ça aussi à la fois très, très beau musicalement, mais aussi très beau, comment dire, humainement, parce qu'il y a un son là qui va directement de l'âme à l'âme. Ça, j'ai trouvé ce moment absolument magique. Traduit en français, Shen Yun signifie « la beauté des êtres divins qui dansent ». Et c'est bien ce qu'expérimentent les spectateurs. C'est important aujourd'hui de rappeler qu'il n'y a pas de grandeur ou de beauté sans transcendance. On nous rappelle que nous sommes aussi venus de monde divin et qu'on l'a oublié. Et c'est bien de nous rafraîchir la mémoire là-dessus. Ça me remplit d'espoir, de foi, je dirais en la justice divine et en la beauté divine. Ça nous conduit au divin et ça nous amène à la grâce des gestes, à la grâce des pensées aussi. Nombre de spectateurs parlent d'ailleurs d'une expérience unique. La promesse d'un voyage à travers 5000 ans de culture chinoise semble donc être tenue. C'est absolument sublime. Je crois que c'est vraiment une des plus belles choses, voire la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Un spectacle que j'oublierai pas. Voilà, quelque chose qui m'habitera encore pendant de longues semaines et de longs mois. Jusqu'au prochain spectacle peut-être. Qui sait ? Reportage NTD TV France.